Viens, Seigneur, viens. Viens, 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 viens. Invite-le. Viens. Viens, mon Dieu, viens. Viens. Monte la présence du Seigneur dans l'Église. Monte sa puissance. Monte le feu ici, Seigneur. Là où nous nous trouvons. Kope kayamana. Monte le feu, Seigneur. Monte le feu. Kope papa 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 papa. Rema me makiba yamase pafita imohe bahibasi ke bishaita. Pekere messare me che fanta. L'intimité de ta présence, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de ton cœur. Suffisant pour moi, Seigneur. Restaurateur de ma vie. Et qui me couronne de faveur.
tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Pas un autre comme toi, car tu es grand. Tes miracles sont puissants. Pas un autre comme toi. Remashi kamast. Toto toroba kikaya masse kamafa. Oh, pepa pa 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 pa. Yep, 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 Alléluia, Seigneur, alléluia, remplis, Seigneur, remplis. Remplis ton esprit ce matin, remplis, Seigneur, remplis, 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 remplis. Plus, 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 plus. Remplis, 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 remplis. Plus du Saint-Esprit, c'est ça. Plus, 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 plus. Alléluia. Rempli, 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 rempli. S'asseoir un instant et je vais vous partager quelque chose. Cette semaine, j'ai reçu la désagréable nouvelle de quelqu'un qui servait Dieu depuis longtemps, depuis des années, dans une église de réveil, de puissance. Et qui m'a dit qu'il était parti et qu'il avait changé d'église. Une personne que j'estimais beaucoup, qui avait travaillé plus de 20 ans, peut-être 30, dans mon église. Pas celle d'ici. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est le document que la personne m'a envoyé. En me disant, ah au fait, j'ai changé d'église. Et le document disait, parlait, comment on pourrait dire ça? J'essaye de traduire parce que... parler de la parole de Dieu en disant que elle avait été adultérée en parlant de la Bible. Et en regardant un tout petit peu comme ça, je me suis dit, au mieux, c'est une querelle de spécialistes, parce que des fois, c'est avec la traduction, parfois, c'est pas
parfois on traduit un mot ou on traduit un autre. Il y a des gens qui trouvent que... Et au pire, il vaut mieux pas le dire. Mais ce qui nous a fait réfléchir, c'était la raison pour laquelle cette personne avait fait ça. Et la raison pour laquelle elle envoyait un document comme ça. Et je me suis dit, comment on peut passer d'être quelqu'un qui est dans le réveil? Comment on peut passer d'être quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit? Comment on peut passer d'être quelqu'un qui sert pendant des années dans une église de qualité, hein, une église de réveil, à devenir quelqu'un de plus religieux, à devenir quelqu'un qui met en doute la parole de Dieu? Qui met en doute subtilement, mais qui met en doute quand même. Je me fais comprendre, parce que ce qui nous a attiré l'attention, c'était pourquoi la personne fait ça. Alors évidemment, je me suis mis à prier pour cette personne, pour essayer de lui faire entendre raison, pour essayer de la supplier de revenir sur sa décision. Et en discutant avec ma femme, elle m'a dit, c'est un problème de cœur. Et je me suis mis à prier, je me suis mis à intercéder dans la présence de Dieu, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et le Saint-Esprit est venu, et il m'a dit, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris, Rémi? Je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sûr, plutôt que je voulais être sûr, je voulais être certain de bien comprendre ce qu'il était en train de me dire, non? Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Que seuls ceux qui se tiennent dans ta présence se préservent de tomber. Pendant que je notais, pendant que j'écrivais ça, le Saint-Esprit, à l'intérieur de mon cœur, m'a dit tout doucement, seulement ceux qui m'aiment. Autrement dit, seulement ceux qui m'aiment se préservent de tomber, non? Et c'est un peu ce que je suspectais. Je l'avais reçu dans mon cœur, mais je n'osais pas le formuler de manière claire. Et le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset qui est en 2 Thessaloniciens 2:10, qui nous parle de l'Antéchrist, qui nous parle de l'apparition de cet impie qui apparaîtra avec toutes les séductions d'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le Saint-Esprit me rappelait juste la partie finale du verset qui dit « Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc c'est quoi leur problème? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et qui est la vérité? C'est Jésus, non? C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui attaque la parole de Dieu, quelle que soit la manière dont il le fait, que tu peux l'attaquer en étant honnête et en pensant que tu fais bien parfois. Mais au final, t'amènes le discrédit sur les choses. Je me fais comprendre. Et donc on parle de gens qui ont perçu l'amour de Jésus pour être sauvés, qui ont perçu l'amour de son esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il est aussi appelé l'esprit de vérité. Et donc la clé, c'est l'amour dans le cœur de la personne. Amour pour Dieu, amour pour Jésus, amour pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amour pour la parole. Et cet amour se loge ici, là, à l'intérieur. Non? Et c'est la raison pour laquelle dans le livre des Proverbes, il est écrit en Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Garde-le parce que c'est là que le Saint-Esprit vient pour te parler. Et donc vous voyez que le problème, c'est bien plus important qu'on croit. Ça peut faire qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne de Dieu. Ça fait depuis 2008 qu'on est dans le ministère avec Myriam. C'est ma 15e année en tant que pasteur. Et de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui sont venues à l'église, ou avec qui j'ai parlé,
et qui n'ont pas écouté ce conseil, qui n'ont pas pris au sérieux, qui n'ont pas maintenu la flamme de l'amour de Dieu allumée dans leur cœur. Aujourd'hui, toutes se sont écartées. La plupart se sont refroidies. Beaucoup sont devenus rebelles ou sont tombés dans des fausses doctrines. Et elles sont bien plus nombreuses qu'on peut le penser. Et aujourd'hui, je voudrais avertir l'Église. Je voudrais dire, comme l'apôtre Paul dit à son disciple Timothée, ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition des mains. Il ranime le feu que tu as reçu, ne le laisse pas s'éteindre, quelles que soient les circonstances, peu importe si les vents soufflent ou si c'est difficile. Aujourd'hui, je suis venu dire à l'Église de prêter attention à ce conseil. Qu'elle soit ici dans la salle, ou qu'elle voit la vidéo, ou qu'elle nous regarde en direct en ce moment, rallume la flamme. Recommence à chercher Dieu. Chaque matin, tiens-toi près de Dieu et laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler dans sa présence. Et va à l'église tous les dimanches, va à toutes les réunions et entretiens le feu. Et perds pas le cœur avec lequel tu sers. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas oublier ce que Dieu a dit au prophète Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc où est-ce que se tient le jugement final ? C'est Dieu qui regarde notre cœur, non ? Alléluia, je voudrais qu'on prie un instant aujourd'hui, on dit « Seigneur, aide-moi à garder mon cœur et qu'il soit toujours conforme à tes voies, qu'il soit toujours disposé à écouter ta voix. » Alléluia, ferme les yeux un instant et dis-lui « Seigneur, garde mon cœur. » Si tu es devant ta télévision, si tu regardes le culte en ce moment, tu dis « Seigneur, garde mon cœur. Garde-moi de tomber, garde-moi de la chute, Seigneur. Garde-moi d'être un de ses serviteurs, une de ses servantes, qui entre dans la rébellion, Seigneur. » Demande au Seigneur, dis-lui Seigneur, bénis-moi Seigneur, bénis-moi ce matin. Bénis-moi parce que je me tiens dans mon église en train d'écouter ta parole Seigneur. Et je me tiens dans ta présence ce matin. Malgré les temps difficiles, Seigneur. Malgré les gens infidèles, Seigneur. Malgré les gens qui viennent un jour et viennent plus, Seigneur. Malgré ceux qui abandonnent la poursuite de Christ pour l'amour du monde, Seigneur. Garde mon cœur, Seigneur. Pour que je te serve fidèlement pendant tous les jours de ma vie, Seigneur. Demande au Seigneur. Dis avec moi, fidèlement, Seigneur. Fidèlement, tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 133. Rachel, si tu veux bien nous l'afficher. Myriam a commencé le culte avec cette chanson qui nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon
qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Dans le psaume, le mot utilisé, c'est Yashab, qui est un mot hébreu qui veut dire s'asseoir. C'est un mot qui est utilisé de manière spéciale pour exprimer le fait qu'on apporte un jugement, soit en embuscade, ou qu'on s'assoit dans la quiétude. Et ça implique le fait de demeurer, de s'établir, de se marier, de camper, d'établir un campement, de s'habituer les uns aux autres, de s'asseoir, de profiter, d'habiter, de demeurer, de peupler, d'entrer en possession. Et ça prend aussi le sens de résister, d'entourer, de sauver une terre, d'avoir des voisins et de vivre. Et le dictionnaire biblique Vinay, il nous dit que ce mot s'utilise dans le sens de demeurer et que parfois quand il se combine avec d'autres expressions idiomatiques, il prend le sens de commencer à régner. Et donc la raison, c'est là, pourquoi on va à l'église et pourquoi on se réunit? Pourquoi on s'assoit, nous qui sommes tous frères? Pourquoi on s'assoit à l'église, tous ceux qui ont cru en Jésus? Et la réponse est simple, pour qu'on demeure ensemble, pour qu'on établisse un campement, pour qu'on s'assoie pour profiter les uns des autres, pour établir un jugement, pour établir le jugement de Dieu sur la terre. Pour que nous résistions, pour que nous entrions en possession de ce qu'il y a au ciel et de ce qu'il y a sur la terre. Pour que nous sauvions et pour que nous participions au salut que Dieu a envoyé sur cette terre. Et pour que nous régnions, pour que nous commencions à régner. Alléluia. Donc est-ce que ce n'est pas la manière dont Jésus nous enseigne à prier? Que ton règne vienne, amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, non? Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que l'Église règne, non? C'est qu'elle établisse le règne et le jugement de Dieu ici sur cette terre. Alléluia. Pour que Jésus descende et qu'il commence à régner, d'abord sur nous, d'abord sur son peuple, et ensuite évidemment sur le monde. Donc Jésus veut d'abord régner dans nos cœurs, il veut d'abord régner sur l'Église pour qu'on puisse commencer à régner. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est-à-dire, elle est la reine et il est le roi. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et est-ce qu'une reine, ça règne dans les royautés? Oui. Elle a une place spéciale, elle a une place réservée. Je ne sais pas si vous avez vu des films un petit peu historiques. Vous n'avez jamais vu que dans les cours, ou plutôt au Moyen-Âge, et même un peu après, il y avait le trône du roi, et à côté, il y avait le trône de la reine. Et que souvent, ils étaient ensemble quand il fallait juger. Donc la reine règne. Elle a un rôle. Dis avec moi, elle a un rôle. On vient de voir ensemble que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Si elle est l'épouse et qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, elle est reine ou elle va le devenir. Alléluia! Et elle va commencer à régner avec un rôle particulier. Et donc le rôle de l'Église ici sur cette terre, c'est de préparer le chemin du roi. Son rôle, c'est de se mettre en harmonie, son rôle, c'est de se mettre en parfait accord avec le roi. Directement en accord, en harmonie avec mes frères, en harmonie avec mes sœurs, en accord et en harmonie avec Dieu. Donc Dieu veut qu'on apprenne à vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va vivre ensemble pour toujours. Et donc tu ferais mieux de t'habituer à ton frère, tu ferais mieux de t'habituer à ta sœur, parce que tu vas les voir longtemps au ciel. Alléluia! Il y en a, ils ne viennent pas à l'église à cause des autres. Ils ne viennent pas parce que ça est celui-là, ou celle-là, ou celui-ci, ou telle personne. Pourtant la Bible nous dit que nous serons ensemble, réunis avec le Seigneur. Mais
J'ai une bonne nouvelle quand même pour toi. C'est qu'ils seront parfaits. Alléluia. Et toi aussi, tu seras parfait. Mais en attendant, il faut les supporter. Il faut apprendre à travailler avec eux. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Alléluia. Et on doit te supporter aussi. Dis avec moi, en accord, en harmonie avec mes frères et sœurs, en accord, en harmonie avec Dieu. Vous voyez le problème, pourquoi les chrétiens ne viennent pas à l'église? Une des raisons, c'est parce qu'ils ne veulent pas être en accord avec leurs frères et sœurs. Ou ils ne se mettent pas d'accord. Et quand ils ne se mettent pas d'accord, ils sortent de la bénédiction de Dieu. La récompense que Dieu nous donne quand on comprend cette parole, la récompense que Dieu nous donne quand on devient capable de l'appliquer, c'est que tous ensemble, nous commençons à régner. Dis avec moi, tous ensemble. Alors, il y en a qui vont dire, pasteur, comment tu veux dire qu'on tous ensemble, on commence à régner si on n'est que deux ou trois aujourd'hui? Mais Dieu, il se fiche du nombre. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit d'accord dans notre cœur. Alléluia. Je regardais la vidéo du congrès mondial de réveil dimanche dernier avec ma femme, parce qu'on n'avait pas pu tout voir. Et le pasteur Ricardo parlait d'un groupe de 17 personnes dans une ville. Pendant des années, ils ont été 17. Pas beaucoup. Hein. Et à la fin, Dieu leur a donné toute la vie. Dis avec moi, 17. Mais à la fin, toute la ville a été sauvée. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui dit, ces 17 personnes ne vont rien faire. C'est 17 idiots qui se réunissent dans l'église et moi, j'ai rien à faire avec eux. À qui Dieu a donné le salut de toutes les personnes de la ville? Ah, c'est 17. 17 idiots qui auraient été sages et remplis de Dieu. Alléluia. Et toutes les personnes qui les ont méprisés, qui peut-être rentraient dans cette église et disaient, là j'ajoute, mais sûrement pendant des années, ils sont rentrés, ils ont dit, ah, ils sont que 17. Je vais aller dans une autre église où ils sont plus. Ah, ils sont que 17. Quel minable. Il y en a qui savent que la France, c'est le pays du mépris. Vous êtes rendu compte de ça? On était en vacances en Espagne. Quand on a mis les pieds en France, une des premières choses qu'on a fait, c'était de me mépriser. Suite. Pendant les 10 jours où j'étais en Espagne, les gens se sont comportés de manière normale, ils étaient corrects, ils étaient gentils, ils saluaient, ils disaient bonjour. Bon, ils n'étaient pas tous très avenants, il y avait des gens comme partout, non? Mais ils ne méprisaient pas comme ici. Mais ici, le sport national, c'est de te faire passer pour rien. À cause de tes vêtements, à cause de ta classe sociale, à cause de ton argent, ils vont toujours trouver une raison. Alors on est sur la terre du mépris. Et les gens qui ne sont pas très coordonnés avec Dieu, les gens qui ne sont pas très investis dans l'esprit, qui ne sont pas laissés changer par Dieu, forcément agissent comme le monde. Non ? Si dehors on méprise tout le monde, ils sont dans l'église et ils méprisent un peu, mais suffisamment pour que l'église puisse pas avancer. Mais à qui Dieu a donné cette ville? Aux 17 idiots qui se réunissaient dans l'église. Dis avec moi, dans l'église. Alléluia. Il y en a qui vont dire, pasteur, on n'est même pas 17 aujourd'hui. Oui, c'est pas grave.
Parce que Dieu a vu notre cœur. Alléluia. Il vaut mieux une seule personne avec un cœur pour Jésus que 50 qui vont te poignarder derrière dans le dos. N'est-ce pas? Dieu a pris ses 17 et pendant toutes les années ils ont travaillé. Et un jour, Dieu a commencé à sauver et toute la ville a accepté Jésus. Dis avec moi, toute la ville. Même si ça avait été une église de 150 ou de 5000, ils n'auraient jamais pu avoir un tel impact. Parce que tu peux prêcher tout le monde, mais tu ne peux pas convertir les personnes. Et donc la seule manière d'avoir un impact de cette manière-là, c'est que le Saint-Esprit fasse le travail pour nous. Alléluia. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand on se réunit ensemble parce qu'on comprend la parole et on est tous d'accord. À ce moment-là, on commence à régner. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, tu vas commencer à régner. Alléluia. Ma chienne, tu vas commencer à régner. Vous allez commencer à régner. Alléluia. Ceux qui se réunissent, ils disent, tu vas commencer à régner parce que simplement, tu es d'accord. Alléluia. Dis avec moi, tous ensemble. Ça, c'est la raison pour laquelle ceux qui s'en vont de l'église n'ont rien. C'est la raison pour laquelle ils perdent tout. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas cette parole qui est une condition sine qua non du règne de Christ, ici sur la terre et aussi au ciel. Alléluia. Comment tu vas régner avec Christ au ciel si tu ne commences pas ici à régner? Regardez bien ce que le Saint-Esprit dit dans ce psaume au travers de David. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux. Le mot utilisé pour agréable, c'est tob, qui est un mot hébreu qui veut dire bon, qui veut dire bien, qui veut dire abondance, qui veut dire accepté, certain, agréable, qui réjouit, allègre, amical, doux, qui amène le bien-être, qui amène à être content, bienheureux, qui amène au succès, à la réussite, qui amène à se réjouir, qui amène du plaisir, la prospérité, qui déborde, qui est suave et qui est un trésor. Et le mot utilisé pour agréable, c'est naïm, qui est un mot hébreu qui se traduit délicieux et qui au subjectif, comme au littéral et comme au figuré, veut dire agréable, délicieux, délice, joie, bonheur, félicité, doux et suave. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Qu'il est agréable, qu'il est bon, qu'il est bien, qu'il amène l'abondance, qu'il est accepté par Dieu, non? Qu'il est agréable à Dieu, que cela réjouit le cœur de l'homme, que ça réjouit aussi le cœur de Dieu, que c'est un acte amical, qu'il est doux, que cela vous rendra content, et rendra content Dieu, bien sûr, et que cela vous rendra bien heureux. Et cela vous apportera, ça vous conduira au succès, à la réussite, et que cela vous réjouira, que cela vous amènera du plaisir, et aussi du plaisir à Dieu. Que cela vous conduira à la prospérité, au débordement de l'onction, au débordement du bien, que ce sera suave, que ce sera agréable devant Dieu, et que ce sera un trésor. Que ce sera agréable. Ce sera naïm, ce sera délicieux, ce sera un délice devant Dieu. Parce que l'autre mot utilisé, c'est naïm. Ça vous apportera la joie, le bonheur, la félicité. Ce sera doux et suave si vous demeurez ensemble, si vous vous mettez d'accord pour chercher Dieu. Dis avec moi, d'accord pour chercher Dieu. Alléluia. Si vous mettez d'accord pour travailler ensemble la main dans la main, si vous mettez d'accord pour construire l'église. C'est bien ce que la Bible dit. Elle dit « Vakjad », une unité en harmonie, de manière égale, ensemble, réunis ensemble, en étant un. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Alléluia. Trois personnes dans la Trinité, mais un seul Dieu.
Trois personnes divines avec chacun leur style, avec chacune leur manière de faire, avec chacune leur personnalité, mais qui sont une par le Saint-Esprit. Qui sont en parfait accord, qui sont en parfaite communion. Parce qu'il n'y a rien que le Père fait sans que le Fils et l'Esprit soient d'accord. Il n'y a rien que le Fils fait qu'il ait vu faire au Père, qu'il n'ait vu faire au Père, et il ne fait rien sans que le Père et l'Esprit soient d'accord. Alléluia. Et l'Esprit ne fait rien sans que le Fils et le Père soient d'accord. Parfaitement d'accord, parfaitement un, en une seule unité. Il y en a qui vont me dire, pasteur, comment est-ce qu'on arrive à une si parfaite unité? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce qu'ils votent au ciel? Et non, au ciel, c'est une théocratie. Personne ne vote. Et il y a une unité parfaite par le Saint-Esprit. Le Fils sait ce que pense l'Esprit. L'Esprit sait ce que pense le Père sait ce que pense l'Esprit. Et ce que pense le Fils, l'Esprit sait ce que pense le Fils et ce que pense le Père. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Et Dieu, au travers de David, nous dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. D'être parfaitement d'accord. D'accord avec Dieu, d'accord pour servir Dieu et d'accord entre nous. Voilà ce qui va nous amener à l'abondance, voilà ce qui nous amènera à la réussite si nous marchons ensemble. Dis avec moi, ensemble. Alléluia. Regardez bien ce que David y dit ensuite. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est-à-dire, David avait expérimenté l'onction. Quand il parlait de l'huile, il savait de quoi il parlait. Il savait ce que c'était que d'être rempli, il savait ce que c'était que d'être oint, et il savait ce que c'était que d'être utilisé par le Saint-Esprit. Et il connaissait la valeur de l'onction, et il savait aussi où on la trouvait. Et où est-ce qu'on trouve l'onction? On la trouve ensemble, dans l'assemblée des frères, quand ils sont d'accord pour chercher le Seigneur. Dis avec moi, d'accord. Alléluia. On la trouve le jour de la Pentecôte, où la Bible nous dit qu'ils étaient tous d'accord, qu'ils étaient tous unanimes dans un même lieu. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se réunit? L'onction coule, l'huile commence à couler, et nous commençons à régner. Alléluia. Dis avec moi, quand on est d'accord. Quand on est d'accord. On commence à avoir de la puissance sur cette terre. La puissance du ciel nous inonde. Elle passe au travers de nous. Et nous, on commence à conquérir. On commence à conquérir sur cette terre pour Jésus. Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on a été appelé? Je vous disais qu'on regardait cette réunion avec le pasteur Ricardo. Et à un moment, il a dit aux gens, tenez-vous par la main. Et tous les pasteurs ministraient, les prophètes, les docteurs, et ceux qui recevaient dans la salle, c'est ceux qui étaient ensemble. Et à un moment, il leur a dit, le problème, c'est quand vous voulez l'onction pour vous, et que vous ne la voulez pas ensemble. Autrement dit, il était en train de leur dire, votre problème, c'est l'égoïsme. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction corporative que Dieu envoie pour recouvrir le corps. Et cette onction, elle vient quand l'Église est ensemble, elle vient quand l'Église est d'accord. Et voilà la manière dont ça fonctionne. L'huile arrive d'abord et elle est répandue sur la tête, puis elle descend sur la barbe d'Aaron, sur la barbe du sacrificateur, et ensuite elle descend sur le bord de ses vêtements pour que les autres personnes la touchent pour qu'ils puissent la recevoir. Et il faut qu'on soit d'accord. Ça, c'est la raison pour laquelle le diable cherche toujours des motifs pour qu'on ne soit pas d'accord. Il cherche toujours des motifs pour qu'on se dispute dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on reçoit, il va commencer à perdre, parce qu'il sait que si on est d'accord ensemble, on va commencer à régner. Alléluia! Je me fais comprendre, je parle des chrétiens matures aujourd'hui. Mais celui qui n'est pas mature, c'est celui qui se fait avoir. Il dit, ah, je ne suis pas d'accord, je m'en vais, je fais ce que je veux. Il faut qu'on soit ensemble. C'est la condition pour que l'huile coule. C'est la condition pour que l'huile commence à couler. Il faut qu'on soit d'accord avec Jésus et d'accord avec le Saint-Esprit. En harmonie complète.
Chacun a sa voix, mais aucune va rentrer en dissonance. Parce que c'est comme un accord en musique. Si Myriam se met à jouer une note à part de ses accords, il y en a un qui fait toujours... Ça pourrit la musique, non ? Un accord en musique, c'est un ensemble de notes différentes, mais qui vont ensemble et qui forment un seul ton. Et donc la question, c'est est-ce que tu veux qu'on entende ta voix ? Est-ce que tu veux qu'on entende d'abord ta voix et ensuite celle de l'Église ? D'accord, ça veut dire ensemble, ça veut dire une seule voix. Un seul accord au travers d'une alliance qu'on a avec Jésus. Allez, dis avec moi, d'accord. Un, en unité absolue avec l'Esprit. Et le problème des hommes, c'est qu'ils arrivent des fois à se mettre d'accord entre eux, mais leurs accords et leurs alliances, ça ne dure pas longtemps. C'est juste de la bonne volonté. Mais quand tu es d'accord avec le Saint-Esprit, si ton frère ou ta sœur est d'accord aussi, vous serez d'accord ensemble et vous allez pouvoir travailler et commencer à régner. Donc c'est quoi le problème des croyants dans l'Église ? Ils ne sont pas mis d'accord avec Dieu, ils n'ont pas pris au sérieux le fait d'allumer la flamme, d'être en feu, d'être une unité avec Dieu. Et au moment où viennent les vents, les tempêtes, qu'est-ce qui se passe ? Hop ! Ils tombent dans le désaccord et ils perdent la bénédiction de Dieu pour l'Église. Ils sont dispersés, dit Myriam. Est-ce que ce n'est pas comme ça que Jésus nous a enseigné à prier ? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici, sur la terre, comme au ciel. Et donc la question, c'est si son règne vient, est-ce que tu crois que toi seul, tu vas commencer à régner ? Moi, je parle pour ceux qui tiennent la part de l'Église, ceux qui disent « moi je, tout le temps ». Non, tu régneras au travers de lui, en parfait accord avec sa volonté. Alors pendant qu'on est ici sur la terre, Jésus nous entraîne. On reçoit et les choses marchent pour nous chaque fois qu'on est d'accord avec la volonté de Dieu. Comme ça, on apprend. Parce que si on veut être individualiste comme le monde, on ne veut pas aller à l'église, eh bien on ne reçoit rien. Si tu veux te mettre d'accord avec ton frère, si tu veux te mettre d'accord avec ta sœur, alors voilà, lui il arrive et tu vas commencer à régner. Alléluia! Et Dieu va pouvoir t'utiliser. Au travers du règne du Père, on a une part avec lui, une part individuelle qui vient quand on accepte ses règles, pas quand on veut le plier lui. Donc David savait ça. Et des milliers d'années avant, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit ce psaume, cette chanson. Il dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. » Et il ajoute « C'est comme la rosée de l'Hermon. » Et la rosée, c'est... Je ne sais pas si tu es sorti dans ton jardin quand la rosée vient de passer, mais la rosée, ça mouille tout. La rosée, ça rafraîchit, ça fertilise la terre et ça fait pousser. Alléluia. Et de la même manière, l'onction, quand elle passe, elle mouille tout, elle touche tout ce qui s'approche. Et il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous ceux qui se tiennent à cet endroit-là. Regardez bien quand il dit sur l'Hermon, c'est une montagne. Donc il y aura de l'onction pour toi si tu tiens à la même montagne que tes frères et sœurs, là où tient la présence de Dieu. L'onction mouillera tout le monde. Alléluia. Mais si tu fais ce que tu veux, tu te tiens dehors de l'église, tu fais comme tu as envie, il n'y a pas d'onction pour toi. Il n'y a pas de victoire et il n'y a pas de commencer à régner. Celui qui règne, celui qui se tient en unité avec ses frères et sœurs, celui qui se tient dans l'église en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Il y en a qui vont dire, pasteur, mais pourquoi il y a des églises très nombreuses où les gens vont à l'église tous les dimanches et ils ne règnent pas sur cette terre ?
Eh bien, la réponse, c'est simple. Parce que le règne, c'est un règne humain. Parce qu'ils sont d'accord entre eux, mais ils ne sont pas d'accord avec le Saint-Esprit. Et Dieu ne va pas être avec eux. Parce que Dieu sera avec celui qui se met d'accord d'abord avec lui et ensuite avec ses frères et sœurs. Alléluia. Pour que nous soyons tous en accord avec la volonté parfaite du Père, la volonté parfaite du Fils et la volonté parfaite du Saint-Esprit. Alléluia. Et le problème, c'est que ça sème la confusion. Parce qu'on les voit, ils ont l'air tous d'accord, mais ils sont d'accord pour la religion. Si tu es d'accord pour les choses de l'esprit, ce n'est pas la même chose qui va se passer. Et regardez bien ce que le Seigneur à travers David dit. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où est-ce que Dieu envoie ça? Là où les frères et sœurs se réunissent en harmonie, là où ils se réunissent ensemble pour régner. Dis avec moi, pour régner! Alléluia. Pour commencer à régner, parce que le règne de Dieu n'est pas encore arrivé complètement sur cette terre, mais comme il est le oui et l'amen véritable, nous avons les arts de l'esprit, nous commençons à régner, pas en partie, c'est ce qu'il a dit Paul, vous avez commencé à régner, certains d'entre vous. Et la question d'entre nous, c'est qui est-ce qui commence à régner? Où est-ce que Dieu envoie cette bénédiction? Il l'envoie dans l'église. Il l'envoie à l'endroit où nous sommes ensemble, réunis en esprit et en harmonie. C'est là que Dieu envoie la beraka. Le mot utilisé, c'est le mot beraka, qui est un mot hébreu qui veut dire bénédiction et qui implique la prospérité. Dis avec moi, ça implique la prospérité. Alléluia. C'est-à-dire, ça nous parle de bénédiction, ça nous parle de don, ça nous parle d'être généreux et ça nous parle de prospérité. Où est-ce que Dieu envoie la bénédiction? Où est-ce que Dieu envoie la béraka? À l'église. Alléluia. Là où on se réunit pour être ensemble d'accord avec le Saint-Esprit. Là où on se réunit pour se mettre d'accord avec Jésus. Là où on se réunit pour se mettre d'accord avec le Père. Tout comme ils sont eux-mêmes d'accord. Alléluia. On va se lever ensemble et on va commencer à prier. Seigneur, aide-moi à être d'accord avec toi. Aide-moi à être d'accord avec mon frère. Aide-moi à être d'accord avec ma sœur. Oh, repashi karima kima kima kima. Cher Saint-Esprit, parfait accord, parfaite harmonie avec mes frères et sœurs, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à venir à l'église avec ce cœur, avec ce désir d'être mouillé par l'onction. Aide-moi à venir avec ce désir de commencer à régner, Seigneur. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit. Demande au Seigneur. Plus, mon Dieu, plus. Plus, Seigneur, plus. Rapekaya ma sheka mayama saïta. Hop, pa, 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 pa. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur, je me mets en accord avec ta parole, Seigneur. Je me mets en accord avec ton esprit. Et je veux commencer à régner, Seigneur. Aide-moi à aller à l'église. Aide-moi à me tenir en accord, en harmonie avec mes frères et sœurs. Pour que nous recevions ensemble ton onction, pour qu'elle commence à couler, Seigneur. Ouf, plus, Seigneur. Plus, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. T'exalte et on te glorifie, Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur, moins-moi, Seigneur, ce matin. Moins-moi, Seigneur. Moins-moi. Moins-moi, mon Dieu. Co-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Plus. Plus.
Viens, Seigneur, viens. Bon, Seigneur, oins-moi, Seigneur, ce matin. Bénis-moi, Seigneur. Je me tiens dans ton église, Seigneur. L'huile coule et je vais commencer à régner. Ré mama mama mama. Copé papa papa papa. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, ce matin. Encore, 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 encore. Plus, Seigneur. Plus sur l'église, Seigneur. Plus sur l'église, plus. Plus sur chacun d'entre nous, Seigneur. Bien plus, Seigneur. Bien plus ce matin. Bien plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pa 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 pa. Kobe kaya maya sika mama mama. Nous sommes ensemble, Seigneur, tu envoies ton esprit. Comme dans cet endroit où tes disciples se tenaient unanimes ensemble. Tu dis unanimes et ensemble, Seigneur. Ta promesse, Seigneur, ton esprit, présence sur nous. Ce matin, Seigneur, unanimes ensemble. Nous disons, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Viens sur nos vies. Donne-nous ton essence, Seigneur. Donne-nous ton essence. Ce qui nous fait un. Nous puissions régner, pour pouvoir obtenir de l'autorité, Seigneur. Pour obtenir un témoignage, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Qui transforme, qui change les circonstances. Nous voulons être en toi, Seigneur. Nous voulons être d'accord, Seigneur. Avoir ton esprit avec nous. Nous ne voulons pas un accord dans la chair, Seigneur, humain, intellectuel. Nous voulons avoir ton esprit avec nous. Ton essence, Seigneur, dans notre vie. Qui nous met d'accord. Qui nous fait marcher ensemble, Seigneur. Qui nous fait effacer toute différence, Seigneur. Parce que nous sommes un en toi. Ta parole dit que nous sommes un en toi. Tu nous as fait un, Seigneur. C'est ton esprit, Seigneur. C'est ta croix, c'est ton sacrifice, Seigneur. C'est ta parole qui nous rend un. Unifie-nous en toi, Seigneur. Donne-nous cette unité parfaite, Seigneur. De ton esprit. Donne-nous cette unité de l'accord, Seigneur, dans notre cœur. Pour que nous puissions triompher sur toute chose, Seigneur. Sur toute chose. Sur toute chose, Seigneur. Donne-nous la victoire. Donne-nous de régner, Seigneur. Donne-nous de gouverner, Seigneur. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Gouverner, Seigneur, sur notre cœur, Seigneur. Gouverner sur notre chair, Seigneur. Donne-nous d'être un en toi, Seigneur Jésus. Donne-nous ta présence, Seigneur. Donne-nous ta puissance. Donne-nous ton esprit, Seigneur. Demande au Seigneur, plus, Seigneur, Seigneur, plus ce matin, plus. Remplis, 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 remplis. Prends-le là où tu te trouves, reçois-le, puissance de Dieu. Plus, 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 plus. Alléluia. Bien plus sur ta vie, bien plus sur toi, Seigneur. Bien plus, Seigneur, bien plus.
Bien plus, bien plus. Ton huile, Seigneur, ton huile. Ton huile, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur. Que tombe, Seigneur, sur la tête, Seigneur. Sur les barbes, Seigneur. Et qu'ils aillent sur tous nos vêtements, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Plus, 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 plus. Rempli, 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 rempli. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit ce matin. Rempli, rempli, rempli. Nous voulons nous tenir là où l'huile coule, Seigneur. Commence à prier pour ton frère, pour ta soeur. Dis-lui, Seigneur, visite-le. Bénis-le, Seigneur, là où il se trouve, Seigneur. Oh, Rabba Sheka, mama, mama. Habillé de toi, Seigneur. Habillé de toi, Seigneur. Mam teliki santa rabaki shanta la mama. Sheka. Rampa kama mama mama. Ko pa 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 pa. Ye pe 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 pa pa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Va amener nos offrandes au Seigneur. En disant, Seigneur, mon Dieu, ta puissance, ton onction, Seigneur, ta liberté, Seigneur. C'est parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous voulons édifier ton église, Seigneur. Nous voulons la construire. Nous voulons la bénir, Seigneur. Et lui donner le potentiel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Repashika la mama. Seigneur, nous te bénissons. Bénissons ton saint nom. Nous voulons t'honorer ce matin avec nos biens, nos dîmes, avec nos offrandes, Seigneur. Ce que tu as mis dans nos cœurs d'apporter, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ce qui a été vision, il a son écran, il peut se mettre sur le site videlafoi.com, rubrique offrande. Si tu veux honorer Dieu ce matin, si tu veux considérer, dire je fais part de l'Église. Je ne suis pas là aujourd'hui, mais je me tiens derrière l'écran et je suis part de l'Église. Seigneur, je veux semer, je veux t'honorer, je veux glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Donne-moi de pouvoir venir, donne-moi de pouvoir me tenir ici, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Rachel, si tu veux bien. Alléluia. Il y a rien à ajouter. Alléluia.